difference a day made。 大家好，我是波尔多老曹，今天我们来到了苏代产区，现在我们所在的位置就是贝玛格雷集团的奥派瑞酒庄，来我带大家今天参观一下。现在老曹请到了奥派瑞酒庄的负责人安东尼先生，带领大家参观一下这家酒庄。Bonjour, Anthony. Bonjour. Ça va? Ça va. Oui, très bien. Je vous souhaite la bienvenue au Clos Perraguet, premier grand cru classé de Sauternes. OK. Propriété de Bernard Magret depuis 2012. OK. Voilà. Nous sommes ici parmi les plus grands vins liquoreux du monde, hein, les vins blancs liquoreux de Sauternes, et sur les meilleurs terroirs de l'appellation, puisque nous sommes premier grand cru classé parmi les 11 premiers grands crus classés du classement de 1855. Wow.Nous sommes ici, juste en face de notre cher voisin, le château d'Yquem, et nous voyons cette belle petite propriété, le Clos Perraguet. 奥派瑞酒庄位于法国波尔多格拉夫的苏代产区，在1855年，苏代和巴萨克官方评级中被评为了一级酒庄。奥派瑞酒庄的历史要从一座名为贝哈盖的庄园说起，在18世纪时，贝哈盖酒庄被波尔多议会主席，也是当时的拉菲庄主尼古拉·皮埃尔·皮沙尔德男爵收购。法国大革命爆发后，皮沙尔德男爵被送上了断头台，酒庄便被拉弗瑞先生买下。在1855年，贝哈盖酒庄凭借着出色的实力成功入选了一级酒庄。1879年，这里被拆分成了两个酒庄，拉弗派瑞酒庄和奥派瑞酒庄。但幸运的是，只有12公顷的奥派瑞酒庄依然沿袭了贝哈盖酒庄的评级，并由巴黎的药剂师格瑞龙收购，开启了新的发展篇章。1914年，尤金加贝和当时上邦姆城堡的庄主费尔南吉纳斯共同买下了奥派瑞酒庄。几年后，吉纳斯将其拥有的酒庄股份转至家族企业名下，而加贝则将酒庄托付给了他的两个外孙子，皮埃尔·保利和贝尔纳·保利。随后这里始终在保利家族的后人中继承和经营，直到2012年，波尔多酒业巨商贝尔纳·马格雷先生收购了奥派瑞酒庄，成为了现任的庄主。Ici, c'est le chai à barrique, mais qui peut faire office de chai de fermentation. OK. Pendant les mois de septembre, octobre, voire novembre. Donc, c'est ici qu'ont lieu les fermentations alcooliques. Mm-hmm. Nous avons possibilité de chauffer l'ambiance, hein, pour que les levures travaillent de la meilleure des façons. Mm-hmm. Mais ce chai va se transformer par la suite en chai d'élevage, puisque les vins sont élevés à Clos Perraguet, en barrique.Pendant environ 18-20 mois. OK. Suivant la qualité. Oh, 18 mois. 18 mois. OK. C'est-à-dire un an et demi, il faut l'élevage ici. Exactement. OK. Donc voilà, nous sommes ici dans la tour du Clos Perraguet. Oh. C'est un endroit que M. Magret affectionne particulièrement. Il a souhaité ici que l'on.Mettre une réserve de vieux millésimes de Clos Perraguet、mm-hmm. et également une collection de vieux livres. 安东尼给我讲解着，对于苏代甜白葡萄酒来说，酒的历史感特别明显，因为随着不同年龄的酒，颜色会越来越深，从一开始的黄色到金黄色，再到老年份的琥珀色，诉说了他们这一生岁月沉淀的经历。隶属沧桑的过往。Donc nous allons pouvoir à présent déguster. Oui. Nous allons commencer avec le Symphonie de Haut Perraguet. OK. 2016. OK. Excellent millésime à Sauternes. Mm-hmm.Je vais donc vous faire découvrir ce vin
qui est le sauterne le plus léger de la propriété. En termes de sucrosité, nous sommes sur ce vin aux alentours des 100 grammes par litre de sucre résiduel. Okay. Wow. C'est-à-dire que c'est plus sucré. La robe est dorée, brillante. Oui, c'est très belle couleur. C'est très aromatisé. Exactement, l'aromatique est très présente. Mm-hmm. Nous avons des notes d'agrumes, oui. Fruits exotiques, oui. Des notes florales. Mielleux. Un peu de miel, mm-hmm. Exactement. Mais à la fois finesse, élégance. Oui. J'ai trouvé que c'est très différent entre le vin rouge et le vin blanc. Tout à fait. Et nous sommes en plus sur un vin blanc liquoreux. Oui. Donc nous avons effectivement cette concentration en sucre résiduel. Oui. Mais ce qui est très important pour nous, mm-hmm. c'est de trouver cet équilibre entre le sucre et l'aspect buvabilité, vivacité, fraîcheur. Oui. Pour ne pas tomber dans la lourdeur. Et c'est exactement ce que nous recherchons et ce que nous retrouvons dans ce vin. Oui. C'est cet aspect liquoreux, mais accompagné par cette acidité qui vient soutenir le vin dans okay. la longueur. Okay. C'est un vin rond, ample, qui tapisse le palais, mais qui est très gourmand et qui s'apprécie et se boit avec grand plaisir. Ok. J'ai trouvé, c'est pour les clients chinois, toujours penser les vins liquoreux, c'est plus sucré. C'est les sucres, ça vient d'où? Alors, effectivement, hein, nous sommes, comme on le disait, sur des vins blancs liquoreux. Donc la pourriture noble nous entraîne une très forte concentration oui. naturelle dans les raisins. Tout est naturel. Tout est naturel. Oui. Nous avons cette richesse en sucre. Et lors des fermentations alcooliques, hein, en barrique, comme nous l'avons vu tout à l'heure, mm-hmm. c'est à nous, les vinificateurs, de trouver le bon équilibre pour avoir l'alcool d'un côté, l'acidité et le sucre. Donc là, on a fixé aux alentours des 100 grammes par litre de sucre. Oh. Pour avoir cet équilibre et ne pas tomber dans un vin qui ne serait que sucré. OK. 随后我们又品鉴了2016年份的奥派瑞正牌酒，这是在苏代产区非常好的一个年份，酒的颜色呈现出了金黄色，非常的清亮，香气奔放迷人，和上一款酒相比，在香气的表现上已经能够感觉到它的优雅和复杂。我们可以感受到热带水果、柑橘、菠萝、荔枝等等的香气。热带水果的香气则是奥派瑞葡萄酒比较典型的香气特征。之后还会有一些香草和香料的味道，这些则是橡木桶陈酿带来的。葡萄酒会在橡木桶陈酿过程中发生演变和升华，甜度会和所有的香气进行融合变化，让酒体更加圆润，而它特有的酸度和清新感则是最迷人的地方。这款酒的产量极少，只有8公顷的葡萄园可以出产这款贵府甜白葡萄酒，真是一件苏代产区的珍宝啊。今天很荣幸的请到了奥派瑞酒庄的庄主贝马格雷先生来给大家介绍一下他的酒庄。Bonjour, Monsieur Marquet. Bonjour, c'est un fait plaisir de vous rencontrer. Oui, comment allez-vous? Formidable, et vous sûrement très bien aussi. Oh oui, très bien, très bien. Alors j'ai le plaisir de vous présenter le Clos Opéraguet, qui est un premier grand cru qui est assez de Sauternes. Le millésime, c'est le 2013, qui est sûrement un des meilleurs millésimes à Sauternes. Et c'est un vin qui est à la fois très élégant, très agréable. Et donc, ça me fait plaisir de vous le signer. Mais j'ai le plaisir de vous offrir cette bouteille du Clos Opéraguet, qui est un, je vous répète, qui est un premier grand cru classé de Sauternes. J'espère que ça vous plaira et ça plaira aussi à tous nos amis chinois. Okay. Et une fois encore, je voudrais leur dire que quand ils viendront au Pape Clément, à la Tour Carnet, ici, à Clos Opéraguet, à Fombroges, mais ils seront chez eux, ils seront comme chez eux. Ok, voilà. Bon,
Merci, Monsieur Macri. Merci beaucoup. Merci. 非常感谢贝马格雷先生今天给我们签名了一款2013年的欧派瑞正牌酒。今天老曹的签酒成功。Voilà.